Le lion et la grenouille de Jean de La Fontaine. Chez les chanteuses et les chanteurs, la voix n'est pas question de taille. Tu peux avoir un grand qui chante petit et un petit qui chante grand. Un maigre qui fera de gros sons et un gros qui fera de petites vocalises. Les voix longues peuvent être sur de courtes pattes. Et les voix raccourcies sur de longues yeux. Tu peux chanter haut tout en étant bas. Faire des notes graves en n'étant jamais sérieux. On a déjà vu un très petit choriste faire de très grands solos. Et de grands solistes devenir soudainement petits. Si tu n'as rien compris, cela n'est pas très grave. Ni aigu d'ailleurs.